J'ai commencé à me museler parce qu'il s'avait passé une situation à l'école qui personne ne voulait m'écouter. Alors j'ai commencé à me gratter sur le poignet. Puis, tu sais, je me disais, ah, oh, la douleur, hein, ça l'enlève de place. Fait que je me grattais fort, fort. Puis j'ai commencé, je pense, en cinquième année à faire ça. Puis j'ai arrêté, tu sais. Je sais pas par quel moyen j'ai arrêté, mais j'ai recommencé un petit peu plus vieille à faire ça vraiment plus intense sur les cuisses avec des couteaux. Je me mutilais pour enlever ma douleur et la changer de place, pour l'avoir physiquement et penser pas à mes pensées. Avant, je dirais que oui, c'était un signe d'alarme. Je voulais que les autres le remarquent. Puis, il est arrivé une pause que je voulais. Plus difficile que je voulais que personne voit ça, voit ces marques-là. Je les cachais, puis je me disais, regarde, j'ai du mal à l'intérieur, j'en ai aussi l'extérieur, mais faudrait que les personnes y voient d'une autre façon. J'avais pas lu l'automutilation, j'avais vraiment envie de le lire pour me mettre dans peau du personnage, puis je me suis reconnue, tu sais. Maintenant, je fais plus ça, puis ça m'a vraiment aidée à gérer mes situations. Il y a beaucoup d'entre nous qui n'osent pas en parler, qui n'osent pas s'informer sur ça. Je pense que tout le monde devrait connaître cette merveilleuse collection.